Bonjour à tous, c'est Tanu Emma et on se retrouve pour la suite de End of Zoé, la suite de ce DLC qui pour l'instant est absolument fabuleux. Les combats au corps à corps, moi j'aime ça et coller des pains dans les monstres, franchement c'est génial. Joe Baker, ce type, il est énorme. Et je consulte mon chat. Alors, très bien, tout est impeccable de mon côté, sauf que j'ai ma coquille qui déconne, du coup j'ai des coupures. Et on peut pas afficher d'autres sources que le 1080. Oui, il y a eu. Ça fait partie des contraintes un peu débiles de ces derniers temps sur Twitch. C'est-à-dire que. Je rappelle, avant je pouvais streamer, alors je pouvais balancer du 13 mégas. Par seconde en stream, qui permettait vraiment une qualité aux petits oignons. Et il y avait le choix des sources. Il y avait le choix, vous pouviez regarder en 360p si vous n'aviez pas la copro. Et depuis quelque temps, on ne peut plus. Bonjour l'Arcane. L'Arctane, excuse-moi. L'Arxane, un truc comme ça. Dis-moi, j'ai une question. Je t'en prie, vas-y, pose ta question. Par contre, j'ai peut-être pas de réponse. Ah, je reprends là. D'accord, j'ai une lance. Ok. Ok, bah très bien. Tac. Super, du soin. Exactement ce que je n'avais pas besoin. Attendez, la dernière fois, j'avais plus qu'une lance. Le jeu ne serait-il pas en train de bullshiter? Ah, à moins que je l'avais juste pas fabriqué. C'est ça. Je l'ai simplement pas fabriqué. Ok. Le jeu ne me bullshitait pas, je me bullshitais moi-même. Comment lancer le DLC pas un héros? J'ai trouvé comment lancer Hand & Zoé, mais pas l'autre DLC. L'autre DLC en France, on ne l'a pas encore en fait, nous. On s'est un peu fait. On s'est fait enfler. Notre héros, il n'est pas encore chez nous. Donc pour l'instant, on n'a pas le choix. On n'a que Hand & Zoé pour se. À se mettre sous la dent. Et on va sagement devoir attendre. Que notre héros sorte chez nous. Mais aux US, ils l'ont déjà. Ce qui est un peu bizarre. Bah, il m'a pas remarqué pourquoi je gaspillerais ma lance. Je vais me faire croquer le cul comme hier, ça va être beau. Oh putain! Casse-toi! Ah mais il y en a un deuxième! Ah mais c'est l'arnaque! J'espère que je parle pas trop fort. J'ai tendance à hausser le ton quand... Sous la panique! Tac, voilà, très bien. Hop, un petit coup d'œil au chat, excusez. Alors. On a une date. De quand on va l'avoir? Une date? Non, pas que je sache. C'est bizarre car chronologiquement, End of Zoé se passe après Pain Héros. Ouais, je sais. Je sais bien. Je comprends pas en fait le choix qui a été fait. Enfin, si c'est un choix. C'est assez bizarre. Qu'on... Ça se trouve, ils se sont plantés. On a eu End of Zoé alors qu'on devrait pas. Je ne sais pas. C'est un peu bizarre. À vérifier sur les versions PS4, peut-être que ça s'est passé différemment chez sur les versions console. Est-ce qu'on tente le frigo? Allez, on tente le frigo. On a du temps. On a du temps à perdre. Voilà. Hop. Si on se fait pas tuer. Est-ce que ça valait le coup? Ça valait totalement le coup. Une poupée de champion. Après en soi, je pense que ce sera pas trop grave de commencer par End of Zoé et de faire pas un héros après. Ça va peut-être nous spoil quelques éléments, mais en soi. Personnellement, l'ordre de découverte de la chose va, me
me fait pas peur, on va dire. Bombe artisanale. Ok, on me donne une nouvelle arme, ça veut dire nouvel ennemi. Dommage, nous dis-tu. Ouais, je suis d'accord, c'est dommage. Mais bon, on aura tout quoi qu'il arrive, donc c'est pas si grave. Après, tout dépend de tes propres envies de faire les choses dans l'ordre ou pas. Enfin, si t'as vraiment envie absolument de faire ça dans l'ordre, je comprends ta frustration. Moi, ça va pas me. Personnellement, ça ne me dérange pas. Putain! La vache! Il m'a fait sursauter celui-là! Ah la vache! Bon, au moins, on s'est pas fait toucher. Bon, le problème de sa quête d'hier a plus l'air d'être. D'être présent. Mince. Ah, par contre. Ah, mais non, mais. À mon avis, il fallait que j'utilise la bombe artisanale ici. Bonne journée. Bah, bonne journée à toi. Je suis désolé, c'est pas parce que je t'aime pas, mais je veux pas me faire spoil. Oui, y a pas de problème, pas de problème. Oh là là, attention. Vous êtes dans l'obligation de rien du tout. Vous regardez si ça vous plaît. C'est parfaitement compréhensible. Moi-même, j'ai déjà esquivé des streams pour pas me spoil certains jeux, donc oh, y a pas de problème. Bon, là maintenant, on sait. Et là, comme par là, je vais me faire toucher. Alors que tout à l'heure, je gérais sans me faire toucher, nickel. Ah non, c'est bon, tout va bien. Bon, est-ce qu'on tente la bombe artisanale ici? Non, je pense. Je vais les faire pop. Je vais me mettre à la porte, comme ça va faire un goulot d'étranglement et je pourrai les gérer un par un. À moins qu'il y en ait un qui pop dans le dos. Il y en a un qui pop dans le dos. Ah mon sac. Ok, et deux, un. Et ben voilà. Ah, par contre, les bruits, c'est. Tant qu'ils continuent de s'ajouter au sol, on dirait qu'il y en a encore. Qu'il y en a encore autour de nous, c'est assez stressant. Ah, je les ai gérés comme un chef ce coup-ci. Je suis assez content de moi. On va pas perturber les. Mince. Comment on déplace déjà? Tac. Voilà. Pas changer les habitudes, que ce soit la flèche du haut. Toujours pour les lances. Par contre, les bombes, je vais les mettre sur la flèche de droite. Ça sera mieux. Démolir. Mais au pire, il y a une poêle. Ah ouais, bon, d'accord. J'ai un petit peu oublié les combos. Ça donne envie d'aller dans l'eau, mais. Je pense que c'est un piège. Non, on va pas faire ça. Oui, pardon. Il y a eu un bruit de créature. Ah mais ça a l'air trop bien, là il y a trois lances, des caisses et tout. Après si vous étiez. Oh merde. Non, sans la lance. Yes.
Après, s'il faut utiliser trois lances pour aller le chercher, est-ce que ça vaut le coup par contre? Parce qu'à tous les coups, il y a des crocodiles en chemin, faut pas se leurrer. Va perdre un temps fou si je meurs là-dedans encore. Moi, je dis ça pue, hein. Oh oui, ça pue complètement. À tous les coups, je vais utiliser autant de lances pour aller les chercher que pour... J'hésite. Donc là, il y en a un. Et il y en a un qui est là-bas sur le côté. Ils sont deux. Bon, écoutez, je tente. Il va peut-être pas venir, lui. Parce qu'il est quand même... Ils sont quand même plutôt dans leur coin. Alors en fait, si je suis autant en stress, je vous explique, c'est que depuis hier, tout le temps où j'ai fait le jeu auparavant, le réglage du son, il était réglé en mode DB. Et depuis hier, je joue au jeu avec le casque, avec le son en surround. Et avec en fait toutes les options de son. Avancer. Et du coup, en fait, les sons sont vraiment super bien foutus. Et comme j'ai un bon casque, j'ai vraiment l'horrible sensation de comprendre là où se trouvent géographiquement les monstres autour de moi. Et c'est super flippant, en fait. Bah d'accord, tant mieux. Mais du coup j'ai un gain en immersion qui est assez fou. Ok d'accord, là il y en a un. On va se planquer. Ça m'intéresse. Non, non, tu ne me vois pas. Je sais pas trop c'est quoi le dos de ces machins. Il y en a un autre à côté de moi. Avec les sons, c'est vraiment ouf. Je psychote 20 fois plus que dans mes... Ah, d'accord. Que dans mes anciennes conditions de jeu. Ah, il m'a vu. Oh non. Ah, le bâtard. Ok. Ah oui, excusez-moi, j'ai pas jeté un oeil sur le chat depuis un petit moment. Bonjour, salut Jay. Quelle est l'histoire de End of Zoé? Ah bah super, Zenro vous répond. Zoé est contaminée, nanana. Ok, merci. Ok, bon bah c'est bien que vous répondiez entre vous parce que je suis navré, j'ai pas jeté un oeil. Je laisserai Tadu confirmer si c'est ça. Oui, c'est ça en fait. En fait, pendant le jeu, vous avez un moment le choix entre sauver Mia ou sauver Zoé. Le choix, on va dire, canon, c'est de sauver Mia. Et du coup, l'histoire s'attarde sur ce qu'est devenu Zoé après qu'on l'ait laissé abandonné sur le quai.
Zoé en fait étant infectée, se fait sauver par son oncle qui tente d'aller trouver et lui injecter les remèdes adéquats. Et je me fais niquer dans le dos. Non! Soigne-toi, soigne-toi, soigne-toi! Mais je vous jure, j'ai bourré la touche de soin, putain! De la jouer plus fine, mais à mon avis, il n'y a pas moyen de l'avoir par surprise, l'autre, vu l'angle de merde dans lequel il se trouve. Bah non, puis il nous arrive déjà tous sur la gueule, en fait. Ah merde, ah putain, ah putain, ah putain, ah putain. Fais chier, fais chier, fais chier, fais chier, fais chier, fais chier, fais chier. Il est où le chemin pour remonter? Là. Cours, cours, cours pour ta vie, cours pour ton cul. Je veux pas utiliser de lance. C'est bon. Mais il repop à l'infini, c'est con! Mais c'est pas possible! Ouh, ça fait bobo ça! Je suis soigné juste à temps! Coup de grâce! Est-ce que je braille pas comme un abruti? Je pense qu'on a tous eu cette impression la première fois, mais au final ça marche plutôt bien. Ah oui, le fait d'être un manu, ah ça marche hyper bien même. Franchement, c'est la meilleure arme du jeu. Oh non, oh non, oh non! Oh putain, j'ai pas eu... Non, je baisse pas le niveau de difficulté, le jeu, me crache pas la gueule, s'il te plaît. Ah là 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 là. Bon alors, attendez, je vais m'y prendre autrement. Tiens, je vais faire la lance. On va manger des insectes. Voilà, une bonne crevette. Ah, apparemment c'est pas mal. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une animation pour ça, mais... C'est vraiment rigolo. Donc là, voilà nos comparses qui arrivent et qui font chier. Allez, allez. Putain. Bim, bim, bim. Ah non mais... Ah là là! On va y arriver. Le truc, c'est que je suis un radin en munitions. C'est justifié comment on est spécial. C'est pas vraiment justifié, c'est juste que l'oncle de Zoé est un bourrin. Voilà, voilà comment on peut justifier la chose. Le mec bourre des pifs depuis sa tendre enfance et... Cramer des lances, ça me fait vraiment chier, quoi. J'ai su les gérer tout à l'heure. Allez. Il faut que j'utilise la parade en fait, je suis vraiment trop con.
et de 2. Voilà, c'est parfaitement gérable si on fait un peu gaffe. Salut! Par contre, pourquoi tout à l'heure il y en a eu 3 autres qui sont venus après? On l'a par contre obligé une lance. Tac. Attention, il y en aura peut-être d'autres. Ok, non, lui, je peux le gérer à main nue. Oula, 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 oula. Douce. Ok, lui. Lui, c'est une lance et 2 coups de poing. Pas mourir, pas mourir. C'est tendu. Voilà, 2 coups de poing, il s'est pris sa lance, donc c'est bon. Eh ben, c'était une petite difficulté ce passage quand même. Est-ce que c'est vraiment fini? Ah, désolé, j'essaie de. Je suis tellement à fond dedans, j'ai du mal à regarder le chat. J'espère la sortie d'une version R7 incluant tous les DLC prochainement, Xbox One. Je me lance enfin sur ce jeu. Oui, oui, ils vont sortir. Bah, justement, en tout cas, sur PS4, c'est sûr. Sur Xbox One, j'ai un doute. Mais il y a une version Gold de Resident Evil 7 qui doit sortir. Justement, avec tout, avec tous les DLC inclus. Mais après, ça reste mon avis personnel. Oh la vache! Non mais le son est vraiment trop bien fait. J'ai regardé à côté de moi parce que je croyais que ma fenêtre grinçait alors qu'en fait c'était la porte dans le jeu. À titre personnel, les DLC, je les ai pas toutes aimées, hein, sincèrement. Autant celles qui rajoutent des éléments à l'histoire. Elles sont cool, autant celles qui sont simplement des espèces de mode arcade, c'est pas du tout mon truc. Ah, c'est vraiment stylé ici. Ah, un cimetière. Ah, ça va être bien ça. Là, on sait qu'il va se passer que des bonnes choses. J'espère que je vous fais pas des mouvements de caméra trop vomitifs. Normalement, maintenant c'est fluide hein, par rapport à hier, vous devez pas avoir de saccade. Du moins, j'ai tout fait pour. Oh là là, le bruit des grilles quoi. Pas rassuré. Ça a pas l'air bien. Oups. Oups, oups, oups. Et stop! Comment je lui mets ça? Ah, ça met par terre. Exceptionnellement, on va. Je pense que pour Joe le vomi, on peut cramer des lances. Hein. Ah, punaise.
Je gère très très mal là. Je comprends pourquoi il m'enfilait du soin. Ah la vache. Est-ce que je peux lui bourrer? La gueule. Il va exploser, non? Il explose pas lui quand il meurt? Je crois que il explose. J'espère vraiment que j'hurle pas quand il y a des combats comme ça. J'ai l'impression de gueuler comme un putois à chaque fois. Non. Bon. Je voulais pas gober un verre, mais c'est pas grave. Je voulais voir si je pouvais faire une combinaison. Ça y revient par là. Oh non, ils l'ont mis enceinte ou ils ont fait un truc chelou là. Elle a l'air... Ah non, c'était un effet d'optique. Ah, notre pote! Oh! Ah, mais il est trop fort, Joe! Putain, je le kiffe ce mec! Ah, c'est Jack! C'est bien ce que je m'étais dit hier. Merde, il nous fout dans un cercueil. God damn it, Jack! Don't you remember your brother? Don't do it! Don't you touch her! Jack! Let me the fuck out of here! Your family! How the fuck can you do this to me? Get me the fuck out of here, Jack! Ah là là. Ah, ça craint. Ah non non, Joe, il faut qu'il s'en sorte, hein. Il est trop cool. Ah cool, on est vivant. Non, ça va, la prochaine fois, mets un pop-up pour prévenir ceux qui portent un casque. Mais le jeu, il met pas de pop-up pour me dire que... Attention, tu vas être surpris. Non, mais je vous explique, en fait, si je gueule... c'est con. Putain, Umbrella Corporation. C'est con, c'est parce qu'en fait, comme j'ai le son dans les oreilles, qui est peut-être un peu fort... Vous savez, quand on a du bruit dans les oreilles... Quand on a beaucoup de bruit dans les oreilles, on a tendance à vouloir parler plus fort. Et il faut pas que je le fasse, en fait. Petit point de sauvegarde. C'est la guerre. J'ai mes points, tout va bien. Tellement badass, Joe, putain. Ce DLC, je pense que je vais le refaire dans mon coin, rien que pour m'amuser, quoi. Oh la vache, il y a du monde par contre là. Attendez, 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 attendez. Ah ouais, bon, à mon avis, là, c'est fait pour qu'on fuit. Hein. Il y a beaucoup trop d'ennemis.
Parce qu'on a plus du tout nos soins ni rien. Ah, je les entends me poursuivre quoi. Allez Joe, qu'est-ce que tu trouves? What the hell is oh this? One of their fancy toys? Ça a l'air trop bien. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça a l'air trop cool. Mais c'est trop bien. Mais pourquoi? Ça fait aucun sens qu'ils auraient ça, qu'ils aient ça les militaires, mais... Oh là, ça va chier. Ah, c'est trop bien. Ah là là, c'est le fulgure au point. Dada. Ah putain, c'est trop bien. Il est où le dernier gros? Mais mettez cette arme dans le vrai jeu, quoi. Oh, mais mon dieu, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Il est où? Il y avait un homme scorpion, là, tout à l'heure. Je veux lui mettre mon turbo point. Non? Il a disparu? Il a disparu. Bon, c'est bullshit, hein, qu'il trouve une arme pour les points, comme par hasard, mais... Ah, et puis la zik. Ah, mais qu'est-ce que c'est génial, par contre, quand même. Ah, putain. Ah, j'espère qu'après, il aura les deux gantelets, quoi, ou un truc comme ça. Toc, toc. Ah, c'est goldé, c'est goldé. Ah, merci au mec qui a été mettre du scotch partout pour me montrer où je devais monter. Ils l'ont mis partout, cet item. Ah, par contre, le fait que quand on se regarde, ça coupe la zik. Par contre, on a plus d'enchaînement de coups de poing. Ah, mais peut-être qu'on peut les... Ouais, on peut le déséquiper, je pense. Ah non, on peut pas. Par contre, je voulais tester. Est-ce que je peux péter la porte? Genre gratuitement, comme ça. Mais non, cette porte, elle est anti... anti-fulgure au point. Centipède. Est-ce que vous avez bien le son du jeu? Parce que là, ce serait quand même cool pour vous de pouvoir profiter de la musique. Oh mince! Oh, il m'a cancel mon coup quoi! Il a même pas fait exprès ce bâtard! Attendez. On va se manger un petit. Voilà, délicieux! Ah, par contre, ça a buté les deux! Ça déconne vraiment pas quoi en fait ce machin! En fait, le coup, même pas chargé à fond, il fait hyper mal. Désolé, je regarde partout au cas où il y a des soins et tout, parce que, mine de rien... Lui, il en faudra deux, non? Oh.
pas que j'oublie que vous êtes. Que vous êtes là et que voir l'écran à moitié rouge, c'est pas forcément cool. Par contre, comment je descends là? Ah, faut que je passe. Ah non, je comprends pas là. Ah, d'accord, ok. Excusez-moi. J'avais pas compris qu'il fallait que je passe par là. Attends, on repasse un petit peu par les lieux du jeu, quoi. On va voir la caravane. Bonjour, monsieur le militaire. Désolé, je regarde partout. Ah, ça, c'est nouveau. Attendez, attendez, attendez. Jesus. What happened here? Là, ça, ça va dans la maison. Mais nous, on veut quand même des soins, des machins. Ah, tout ce qu'on avait, c'est là. Ah, c'est parfait. On prend tout. Hein. Nous avons fini d'analyser les échantillons de tissu supposés appartenir à Jack Baker. Les cellules montrent une extraordinaire résistance aux dégâts physiques et chimiques. Le mutami 7 de la série E sécrète une enzyme semblable à la télomérase à travers les parois de la cellule, causant l'activation anormale de la voie ERK, qui provoque une division forcée des cellules régénérant rapidement les tissus. Voilà, technobabble. Cependant, la division cellulaire répétée mène rapidement à une rupture dans la structure intercellulaire à l'origine de l'apparence boueuse caractéristique des échantillons de tissu prélevés. Ceci nous amène à penser que les cellules atteignent leurs limites de Hayflick. Il est à noter que les échantillons provenant des autres membres de la famille, la femme Marguerite, le fils Lucas et la fille Zoé, ne présentent pas les capacités de régénération aussi étendues. Il semble que les symptômes puissent varier d'un sujet à l'autre. Une étude plus approfondie s'impose. Voilà, on nous explique de manière un peu bullshit que Jack, lui, y régène mieux. Produit AMG78, développé pour faciliter le transport d'équipements lourds. Une fois équipé, les impulsions nerveuses sont détectées et synchronisées avec l'actionneur, qui offre une puissance dépassant les 50 chevaux. Des absorbeurs à la pointe de la technologie permettent d'annuler le recul perçu par l'utilisateur. D'accord, donc ça c'est la description de l'arme qu'on a équipée. L'espèce de fulgure au point. Qui est l'arme la plus stylée que j'ai pu voir dans le jeu jusqu'à présent. juste voilà un petit tour dans mon inventaire vite fait pour voir que là que ça je peux. Hop. Fabriquer du soin. Ok. On est bien. Jack. Zoe's coming with me. Zoe. C'est son dada de mettre Zoé partout comme ça. Oh, soin gratuit. Attends, désolé, je l'approche pas tout de suite pour pas trigger. Je veux looter tout ce qu'il y a à looter tout de suite, comme ça on est tranquille. Surtout du soin. Ok. Zoé! Zoé! Wake up! Wake up! Bonjour, Jack. Mais... Mais il a défoncé! Ah ouais, par contre. Aïe. Pour des petits coups de poing. Wow, wow, wow. Non, ça va pas soigner. Ok, là c'est bon. Ah là 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 là. Ouf. Mince. You remember me, right? You
remember the time I broke your nose when we were kids? You remember when I clotheslined you into the swamp? Oui. Oui. Ciao. Ah putain. Comment ça il a pas bougé? On aurait dit ça lui a rien fait quoi. Ah là là là. Non mais faut vraiment que je me serve de la parade dans ma vie. Pas facile hein, je vous jure que. Je n'ai pas encore saisi la vraie strat. D'accord, en fait on peut à nouveau. Ah mais le jeu est pas cohérent avec lui-même là. En fait, on peut de nouveau se battre normalement avec nos poings. Mais à condition d'être en train d'enchaîner les échos. Alors moi j'avais pas compris ça. Ah là là, mais il m'en met. J'ai plus de soin je pense là. Et en plus j'ai pas eu le temps de me soigner quoi qu'il arrive. Ok. Donc maintenant on sait qu'on peut enchaîner les coups comme avant avec les monstres en fait. Parce que comme quand on a eu le point, on pouvait plus faire les coups rapides hors des combats, j'étais parti du postulat qu'on ne pouvait plus utiliser les techniques de combat classiques. Or, on peut. Donc maintenant qu'on sait ça, on sera mieux armé. Et on va manger un insecte pour être vraiment full vie. Just you wait, Jack. Zoe's coming with me. Donc en fait, faut le tabasse pour qu'il soit assommé pour lui mettre le gros coup chargé après. Et là, on est bon. Ok. Zoe! Zoe, wake up! Wake up! Yoda's a rabid dog now. I'm gonna put down your misery. Bring it on! Concentré. Aïe, 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 aïe. Your ass!
fait mal. Il est où? Il est là. Ça va faire mal. Alors c'est pas moi qui contrôle, il le fait tout seul là. C'est génial. Ah c'est parfait. Attends, attends, double tape. Ah mais il a plus de haut du corps. Mais bon, combien de fois il a plus eu de haut du corps et qu'il est quand même revenu, cet enfoiré. Ah la vache. Non, attends, Zoé, je mange un insecte avant. Niam, 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 niam. Voilà. Zoé, hang in there. You gotta be all right now. Zoé? Zoé! Wake up, Zoe. Joe, what happened to her? Are you okay? I'm fine. Don't you worry about me. It's all over now. Go, 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 go. Don't move. Get your hands up. Get down. Weapons down. Weapons down. Ah, v'là l'usurpateur. It's all right. You must be Zoe Baker. Who the hell's asking? Chris Redfield. Non, c'est pas Chris. Been looking all over for you. C'est un mensonge. We're here to help. C'est juste un mec random qui a le même prénom par hasard et le même nom de famille. Une grosse coïncidence. You're gonna be just fine. Ah bah elle est redevenue complètement normale. I was trapped with those monsters for 3 years. All of them trying to kill me. I can't believe it's finally over. You gotta know. Deep down somewhere, they were still your family. And they loved you. Especially your daddy. Even in his final days. We found her. She's a tough kid. Yeah, of course. Hang on. Someone wants to speak to you. Est-ce que c'est Ethan? Zoe. Zoe, are you there? It's you. I don't believe it. You actually made it. We both did. You didn't forget about me. I told you I'd send help. And I always keep my promises. Thank you, Ethan. Ah, yes. Ethan y déchire quand même. Mais pas autant que Joe, hein. Joue les ultimes. Je suis mort plein de fois, je pense. Coup de poing 660. Ah, j'aurais bien voulu en faire 666 juste pour la forme. Eh ben, sincèrement. Excellent DLC, mais excellent de chez excellent. J'ai adoré du début à la fin. J'aurais un plaisir non dissimulé à le recommencer, mais juste pour m'éclater. Ce DLC, il est goldé. C'est... L'histoire est cool. Le dénouement est vraiment sympa. Et c'est jouissif as fuck, quoi. Franchement. Ah! Le meilleur DLC de tous les DLC qu'on ait fait jusqu'à maintenant. Défi extrême. Complétez tous les défis et obtenez la machette maudite. Les défis s'activent automatiquement lorsque vous passez certains checkpoints dans le mode de difficulté avec lequel vous avez complété la fin de Zoé. Vous pouvez consulter les détails du défi via le menu pause. Ok. Mode de difficulté, Joe doit mourir. D'accord.
AMG-72A, objet ajouté dans le coffre dans la fin de Zoé. Est-ce que ça veut dire qu'on peut commencer avec... Ah, il y a un fusil aussi. Fusil M21. Ok. D'accord. Donc, il y a de la rejouabilité pour le DLC. Eh ben, putain. Quel DLC excellent. J'avais pas notifié qu'il avait le gantelet de la mort sur l'écran titre. L'écran titre, il a changé, on est d'accord. Bon, dans tous les cas, c'était génial. Je suis super satisfait, quoi. Sincèrement. Je vais donc vous dire vous dire au revoir à vous sur YouTube ici et maintenant pour cette DLC, cette fin de DLC fabuleuse. Et je vous dis à la prochaine. C'était Tanueba.